Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour commencer l'album Christmas in the Forest avec la collection qu'il vient de Action. On va commencer aujourd'hui avec la structure. Je ne sais pas si je veux commencer avec la présentation finale ou si on va commencer direct avec le tuto. Pour ça, je vous montre maintenant aussi tout ce qu'on va utiliser. On va utiliser les blocs Christmas in the Forest. On va utiliser les Luxe Paper Block, celui-là qui est exactement pareil. On a les mêmes, la même thématique, les animaux et tout ça. J'ai commencé déjà à prendre des die cuts d'ici. Voilà, on va utiliser du papier vert sapin, 160 grammes. On va utiliser du papier blanc, 210 grammes. Et on va utiliser du papier ivoire, 160 grammes, toujours de la marque Clairefontaine. Ça, c'est le ivoire. Et vous avez ici le blanc aussi. Voilà, on va utiliser tout ça pour faire cet album. Voilà, on va commencer tout de suite avec la structure. On a besoin de... deux cartonnettes au total, deux cartonnettes 30-30, et vous découpez deux cartonnettes de 22 sur 22 et vous découpez une petite tranche de 22 sur 7,5. Ça, bien sûr, vous avez besoin de deux cartonnettes 30-30 parce que avec une cartonnette, vous pouvez couper une comme ça et il reste des bandes comme ça. Il me reste encore comme chute tout ça. Deux grandes et une petite. Mais ça, d'habitude, moi, j'utilise pour faire du volume, pour mettre en 3D certains découpes et tout ça. Voilà, du coup, pour faire la structure, on a besoin de deux cartonnettes qui mesurent 22 sur 22 et une cartonnette qui mesure 7,5 sur 22. On va commencer tout de suite. Moi, j'ai mis déjà de double face derrière. Et on va commencer tout de suite. Cette fois-ci, je veux habiller mon album avec du papier vert. Et on va faire tout de suite comme ça. Moi, je mets ici... hop. Une toute petite ligne de colle, mais vraiment toute fin, juste pour coller un peu ensemble les papiers. Et je cale un sur l'autre quelques millimètres, pas plus. Voilà, et je fais la même chose avec la troisième. Les pages, on va faire des pages blanches, mais je veux habiller mon album en papier vert. Voilà, on va commencer tout de suite par mettre une ici et la tranche au milieu, comme ça. Moi, je veux prendre mes outils, je veux prendre ici mon thème. Je me mets bien droit ici comme ça et je colle ça au milieu. Et je veux mettre exactement au milieu. Maintenant, je veux prendre mon thé. Celui-là, c'était pas le thé, c'était la règle. Je veux prendre le thé et je veux mettre ici, cet côté. Maintenant, je récupère mon thé et je mets ici sur cet côté. J'enlève ici aussi la double face et je colle. J'ai utilisé trois double faces différentes. On a les deux plus le petit ici.
Parfait. Maintenant, je veux faire entrer avec le crayon et après je coupe au ciseau. Comme ça, je ne m'embête pas avec le couteau. C'est très 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 important de faire la même taille partout. Comme ça, on est sûr que les coins sont parfaits après. Voilà, parfait. Et je fais les coins aussi direct. Et après, je mets de double face partout sur le papier et je colle comme d'habitude. Ça, je veux faire en accéléré. Voilà, on a la structure. Maintenant, on va mettre une papier ici. Et là, on va découper une papier blanche. Cette fois-ci, parce que toutes les pages, ils vont être blanches. Donc, je veux que ma tranche, il est pareil. On va laisser comme ça le 21, parce que notre toutes les pages, ils vont être de 21. Et comme ça, on coupe. Là, on a 7,5. On va couper 15. Allez, on coupe 15. Là, je mets tout de suite deux double faces partout. Là, on va prendre les mesures. On a 22. Du coup, je laisse ici 0,5 et ici 0,5. Et comme ça, je sais qu'il là, il faut que je colle. Ici, jusqu'à ici. Et comme ça, j'ai 0,5, 0,5. Et sur les côtés, je fais tout le possible de me mettre bien au milieu. J'enlève la pellicule de double face et je colle ça tout de suite. Voilà, on va continuer l'album parce que il s'est arrêté parce que j'avais plus de batterie. Et après, j'ai arrêté quelques jours parce que je suis malade. Et j'ai laissé tout comme ça, même avec la double face comme ça, et j'ai rien fait. Mais maintenant, j'ai encore la fièvre et tout ça, et c'est atroce, c'est vraiment atroce. On va coller bien au milieu, donc on va laisser la même distance sur tous les deux côtés, et on va coller en fonction du petit trait qu'on a fait. Je veux juste continuer cette structure, comme ça, il est fait. Et après, petite pause de quelques jours, parce que je suis pas du tout capable de faire rien du tout. Du coup, je sais pas comment je veux mettre cet album. Je pense que je veux mettre la vidéo de la structure et après quelques jours, je veux commencer les pages et des choses comme ça. Je veux voir, je veux filmer en fonction de comme je suis parce que si je suis pas bien, bien sûr, je peux pas filmer, mais je veux quand même continuer. Du coup, on va bien voir. J'en ai marre d'être malade, j'en ai marre vraiment. J'ai l'impression qu'on fait que ça. Donc il a commencé le froid, on est que malade. Voilà, jusqu'à ici, la structure il est comme ça. Maintenant, on va travailler un peu la déco ici. Moi, pour faire la déco ici, en fait, j'ai pris une papier doré miroir comme ça, qu'on va coller ici. Et comme c'est une page A4, parce qu'il vient du bloc. Il vient du bloc paper bloc avec les die cut. Il vient de celui-là.
Du coup, pour ça, c'est une page à 4, du coup, il fait 21. Et je fais 21 sur 21 pour avoir la même distance. On va coller direct celui-là. De toute façon, aujourd'hui, c'était prévu qu'on fasse que ça. Aujourd'hui, pour cette tuto, c'était prévu qu'on fasse que ça. Parce que j'ai commencé la vidéo lundi et on est jeudi quand je finis la vidéo. Mais des fois, ça se passe comme ça aussi. Voilà. J'ai mis bien au milieu mon papier miroir. Ça se voit plus rien à cause du papier parce que ça reflète la lumière. Après, j'ai pris cette papier. Cette papier, j'ai coupé 20 sur 20. 1 cm plus petite. Exprès, toujours, pour avoir le petit contour doré comme ça. Pour donner une petite côté élégante. Du coup, on va faire comme ça. Juste, je veux brancher mon pistolet à colle pour coller après la déco. Pour la déco, j'ai prévu des petites poinsettias que j'ai fait moi-même. On va mettre ça sur le côté. Et pour l'instant, on va continuer ici. Voilà, du coup, je colle ça tout de suite. Comme ça, on n'a plus l'effet miroir. Et comme ça, ça se voit bien après sur la caméra. Maintenant, moi j'ai choisi cette carte pour mettre ici et toujours un papier miroir qu'on va mettre en dessous. Du coup, la carte, on va coller sur un papier miroir et on va coller ici. Là, j'ai découpé le Christmas qu'il y avait sur la couverture, mais en fait, au final, je veux découper le petit animal qui est là. Et je veux découper aussi la guirlande qui est en dessous. Du coup, je laisse que le mot Christmas. Et je mets le mot Christmas ici. Voilà, je regarde si je mets pas plutôt une carte verte. On va regarder plus tout de suite sur toutes les cartes. Parce que comme on est sur du papier marron, je regarde tout de suite pour voir si c'est pas mieux de mettre une carte verte. This gift is for you. Il marche celui-là aussi. Cet cadeau, c'est pour toi. Il va celui-là aussi, je pense. Nice list, non, celui-là non. This is for you, celui-là non. Christmas, non. Je pense que je vais mettre au final celui-là. Et pas celui-là avec les jouets. Celui-là on garde, on va utiliser après. Du coup, je colle la carte sur le papier doré. En fait, le papier doré, il est coupé 11 sur 16. Un peu plus grande par rapport à notre carte. Voilà. Parfait. Et maintenant, je veux prendre mes chutes de cartonnette. Si je les trouve. C'est un bordel sur mon plan de travail. Comme je n'étais pas bien, j'ai laissé tout comme ça. J'ai fait rien du tout. Du coup, c'est vraiment un vrai, vrai bordel partout, mais j'ai pas le choix. Quand je suis pas bien, j'ai pas le choix. Déjà que je vais essayer de faire des choses parce que si je reste comme ça sans rien faire, je sais pas comme sont les autres, mais plus je reste dans mon lit en train d'être couverte parce que j'ai froid ou des choses comme ça, plus j'ai mal. Si je bouge, je suis mieux plus vite. Si je reste comme ça au lit, je suis mal tout le temps. Du coup, pour ça, je préfère tout le temps faire des choses. Si je vois que je suis pas bien du tout et je peux pas rester travailler, en fait, je fais du point croix ou des choses comme ça que je peux faire sur mon canapé. Mais au moins, je fais quelque chose parce que sinon, il tient la maladie 2-3 semaines. En tout cas, chez moi, il fonctionne comme ça. Je sais pas les autres, mais chez moi, il fonctionne comme ça. Du coup, je préfère faire des choses. Et après, on sait très bien qu'on on est maman à la maison avec 3 enfants. On peut même pas être malade, déjà. On va commencer par ça plutôt.
Voilà, j'ai mis de la cartonnette, comme ça on fait un peu en 3D. Et ça se voit un peu mieux. Je pense que je vais mettre un peu en 3D le Christmas aussi. Du coup, je vais utiliser cette chute de cartonnette. Il est parfait et je coupe encore une chute. Pour ça, j'utilise toujours ma Collard Glitter. Il colle très bien, donc je suis sûre qu'il va bien tenir. Et je vais prendre un autre morceau de cartonnette pour continuer à couper ça, à coller ça, pardon. Donc, hop, un morceau comme ça. Et là, un peu plus petite. Du coup, si je respire un peu bizarre, c'est pour ça. Je suis malade. Voilà. Le mot Christmas. Hop. Ça, on va mettre un peu plus bas. Déjà, on va mettre le mot Christmas ici. Comme ça, bien au milieu. On va mettre maintenant notre carte. Toujours bien au milieu, comme ça. Parfait. Et là, moi j'ai des morceaux d'orange comme ça. C'est moi qui l'ai fait sécher il y a quelques années. Et j'ai plusieurs. Et il tient toujours très bien. Ça, on peut utiliser pour la déco. On peut utiliser pour la déco à la maison, dans les sapins. Plein de choses on peut faire avec. J'ai sorti des petites choses comme ça aussi. Ça, normalement, on utilise dans la cuisine. Mais moi, j'ai pris pour mettre ici comme déco. Et ça sent trop bon en plus de ça. J'ai sorti aussi plein de die cuts. Mais je ne sais pas si je vais utiliser tout ça. Je veux voir après. Par contre, j'ai trop envie de mettre des petits cadeaux. Je veux voir. Je veux voir tout de suite. J'ai découpé In the Forest aussi, mais je ne veux pas l'utiliser. Et j'ai découpé celui-là aussi. J'ai pris celui-là aussi. Ça, c'est des découpes qui viennent de cette bloc. Mais je ne veux pas l'utiliser. Par contre, j'ai réalisé des petites poinsettias comme ça. Avec mon dies poinsettia Holly. C'est les petites, c'est pas les grandes, parce qu'il y a deux modèles, les petites et les grandes. Les grandes, j'arrive pas du tout à les trouver sur aucune boutique, même sur la boutique Booty Scrap, il n'y en a plus. Et comme Herfel, ils ont arrêté les collections, du coup, j'arrive pas à les trouver. C'est dommage parce qu'ils étaient sympas. Et j'ai réalisé les poinsettias avec celui-là. Et j'ai réalisé avec du papier vert sapin, c'est le même papier comme ici, et le papier ivoire. Et là, je veux mettre cet orange. Du coup, je vais prendre mon pistolet à colle. Je mets bien la colle partout et je mets cet orange ici. Et après, je mets des poinsettias comme ça. Je vais mettre celui-là ici. Je vais mettre encore une poinsettia ici. Je pense que c'est la première fois quand je fais vraiment la déco avec vous et je parle dans le même temps. D'habitude, je fais tout seul en accéléré. Mais cette fois-ci, je me suis dit, juste pour changer un peu. Je pense que je vais mettre ici. Il y a beaucoup de personnes qui le demandent comme je fais pour la déco. En fait, je ne sais même pas expliquer parce que je fais chaque fois en feeling, en fonction de comme j'ai envie quand je fais la déco et en fonction de tous les éléments que j'ai avec moi. Du coup, je peux pas vous dire exactement comme j'arrive à faire la déco. Ça, c'est des petites fleurs qui viennent de nos, ça fait des années de quand j'ai ça et moi je le trouve qu'ils vont très bien pour la période de Noël. J'ai même l'impression que c'est un peu comme les poinsettias.
Et je vais utiliser ça aussi, comme ça, ici. Du coup, je colle ça. Je vais mettre une ici. Une ici. Ici. Je pense que je vais mettre ça ici. Je vais mettre plutôt celui-là. Il a beaucoup de blanc. Du coup, il donne un peu l'effet neigé. Et je pense qu'on est bien. Hein? On est déjà pas mal, je pense. Je vais mettre ici aussi des papiers blancs. Des papiers, oh là là, des fleurs comme ça blanches. Pour faire un petit rappel. Avec les mêmes fleurs. Plutôt comme ça. Comme ça. Je pense qu'il va bien comme ça. Plutôt celui-là. Il va bien celui-là aussi. Du coup, on va utiliser pour avoir un petit rappel avec la fleur qui est là. Et après, je vais mettre ça. Ici. Bien collé. Je vais voir si j'ai encore des choses comme ça. J'avais des bâtonnettes de cannelle aussi avant. Mais aucune idée qu'est-ce que j'ai fait avec. Voilà, j'ai plein de petites oranges comme ça. C'est des oranges et des citrons. Et plein de petites comme ça. Ok, ça par contre. Je vais regarder si j'ai une moitié, sinon je coupe celui-là. Ça, j'ai fait sécher dans mon four. Juste, j'ai mis dans le four avec une température. C'est exactement comme on fait déshydrater les fruits et les légumes. Moi, j'ai fait déshydrater juste pour utiliser dans mon scrapbooking. Du coup, on peut utiliser vraiment tout et n'importe quoi et partout. En tout cas, avec moi, vous avez l'habitude que moi, j'utilise vraiment tout et n'importe quoi. Celui-là, c'est bon. Je pense que ça suffit large, la déco. Voilà. Je mets encore une ici. Oui, encore celui-là et c'est bon. Voilà. On a fini la déco. On va laisser juste comme ça. Ça suffit. Celui-là, il faut qu'il sèche bien. Et c'est bon. J'arrête mon pistolet. Par contre, si vous cherchez un pistolet à... cold shot comme ça, j'ai essayé plein de marques jusqu'à maintenant et c'est le meilleur celui-là, 6X, c'est vraiment le meilleur pistolet que j'ai utilisé jusqu'à maintenant et croyez-moi, je pense que j'ai 5 ou 6, si je pense, je crois que j'ai même plus de 5-6 pistolets, du coup pour moi c'est le meilleur, voilà, ici je veux essayer d'utiliser. C'est un peu dommage qu'ils font ça. Après, pour essayer si j'arrive à couvrir ça. On va voir tout de suite avec du papier. Déjà, je coupe celui-là. Je utilise du doré parce que j'ai envie de donner une petite côté assez élégante à cet album. J'espère que j'arrive à faire ça. Hop. Du coup, celui-là, il mesure 7 sur 21 normalement. On va faire 6 sur 20. Voilà, ici j'ai collé
Là, j'ai pris le même papier et j'ai coupé exactement les mêmes dimensions, 21 sur 21, pour avoir la même, le même contour vert partout, exactement comme on a sur cette page et sur cette page aussi. Parce qu'au final, le papier glacé, il fait 21 sur 21. Du coup, pour ça, j'ai continué avec la même dimension. Comme ça se voit bien, même le dos. Il faut essayer tout le temps de coller les pages, les papiers vraiment avec les mêmes dimensions, si c'est possible, bien droit partout. Parce que même si nous, on regarde pas l'album comme ça, ouvert, mais au moins, visuel, ça se voit beaucoup mieux. Du coup, c'est vraiment beaucoup mieux de coller comme ça. Et s'il y a des motifs aussi, il faut essayer de coller exactement pareil les motifs. Oups. Hop, parfait. Voilà. Pour cette couverture, moi franchement j'adore, 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 et vraiment j'adore, vraiment j'adore. Et c'était bien, je pense, si celui-là il était un peu au 3D avec une morceau de cartonnette, mais je vais voir si je trouve après quelque chose de mettre un peu en 3D, ou même de mettre un petit ruban ou une petite nœud même. Ah oui, je pense que j'ai un grand nœud exprès, comme ça je peux le mettre sur la tranche. Je veux voir, je veux voir. Pour l'instant il est comme ça et je pense qu'il est très bien. En fait, on va, hop, zoomer plutôt un peu, et voilà, je pense qu'il est bien comme ça avec la petite déco et tout. Je pense qu'il est vraiment pas mal. Maintenant, on va faire les 4 pages et on s'arrête ici et on va continuer après avec le 12e tuto. Pour faire les pages, on va prendre des papiers blanches. Parce que les pages, on va faire avec du papier blanc. Du coup, on prend nos papiers blancs. On va prendre le massicot. Comme ça, on va laisser le 21. Comme ça, on fait un pli de 1,5. Après le prochain pli, on fait à 2. Je tourne ma page comme ça. Je mets mes plis de 1,5 et de 0,5 en dessous. Je me mets à 21. Et je coupe. Si vous ne mettez pas les plis, en fait, vous mettez à 23 et vous coupez. Parce qu'on a 1,5 plus 0,5, ça fait 2. Plus 21, ça fait 23. Et on a notre page comme ça. Du coup, on fait 4 pages comme ça. C'est des pages simples, 21 sur 21. Mais après, chaque page, il va avoir quelque chose de spécifique. Mais je ne vous dis pas plus parce que ça, on va voir dans les tutos. Du coup, je fais encore une page avec vous et après je fais toute seule les deux autres. Le premier pli à 1,5, le deuxième à 2 cm. Du coup, on a un pli de 1,5, un pli de 0,5. Après, on se met à 23 et on coupe. Comme ça, on a une page de 21 sur 21 une fois les plis faits. Et on fait 4 pages comme ça. Ça, c'est tout pour aujourd'hui les filles. Je vous fais plein 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 de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour continuer cet album. Bisous, bye bye.